quand je te vois, Charles Wright, parce que c'est toi qui es en train de mettre le feu dans son pays. C'est toi, je vous. Ça dit, ni tourné là où tu vas mettre le feu dans ce pays-là. Parce que tu connais, le débat là est clos. Si tout le monde participe aux élections présidentielles, Mamadi Doumbouya choisit son candidat, Idi Amin choisit son candidat, Bala Samoura, ça dit, vous les bandits du CNRD là, vous choisissez vos candidats là, vous partez contre l'opposition. Vous n'arriverez même pas en 5e, 6e, 7e, 8e position. La vidéo a été signalée, mettez les cœurs. Parce qu'actuellement là, tous ceux qui vous dorlotent, tous ceux qui vous touchent, tous ceux qui sont proches de vous, tous ceux qui sont supportés par vous là, et tous ceux que vous supportez là, nous avons leur nom, nous avons la liste. Donc aujourd'hui là, nous n'allons pas accepter, nous n'accepterons jamais et nous donnerons des consignes aux Guinéens de ne jamais voter pour ceci là. Je n'ai rien contre Sidia. Sidia et moi, nous n'avons pas la même vision politique. Je n'ai rien contre l'Ansana Kouyaté, mais c'est un traître. L'Ansana Kouyaté, c'est un marche. C'est comme le Liban. Il prend le pays, donne directement aux Français, c'est tout. C'est un Libanais, c'est comme le Liban. Il prend la Guinée, donne aux Français. Et puis, ils éliminent tous. Lui, il peut éliminer tous les potentiels rivaux. Il peut les éliminer physiquement, l'Ansana Kouyaté. Tu as compris? L'Ansana Kouyaté que tu vois comme toi-même, Charles Wright. Si tu aides l'ancien Kouyaté pour être président, l'ancien Kouyaté que tu vois comme ça, dès qu'il monte au pouvoir là, tous ceux qui l'ont aidé là, il va les éliminer. C'est-à-dire, c'est comme un militaire. Il est comme un militaire. Moi, sa femme a failli être notre chef de département. Nous avons refusé. Les gens ont dit, on était à Farana. Dans les années 2000 là, on était à... 2000, oui. Mais aujourd'hui, là, moi, je te le dis. C'est toi qui es en train de... Ça dit, toi, moi, je ne veux plus parler de quelqu'un. Charles Wright, c'est toi, je dis à tous les Guinéens, tous ceux qui me suivent, là, je vous dis la vérité. Ils ont créé la CRIEF, là, pour écarter tout ce qui peut être candidat potentiel pour gagner les élections, pour placer les candidats du CNRD. Et revenir... Eux-mêmes aussi, quand ils vont mettre leur président, prétendre être quoi là? Être présidentiable. Moi, je t'ai dit Idi Amin. Depuis mes premières vidéos, j'ai dit devant le monde entier, si tu fais un coup d'état à Doumbouya, tu prends le pays là, tu ne vas jamais gouverner ce pays là, même une seconde. Tu as vu le fait que tu n'es pas écouté. Le fait qu'aujourd'hui, tu as placé... Je le dis, quand tu parles, on dit non. Dès que tu parles, on dit non. Il a attaqué les Malinké. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui est Malinké plus que moi. Vos nominations aujourd'hui, vous nommez qui aujourd'hui? Idi Amin, j'ai la liste de toute ta famille. Tous tes cousins, tes oncles, les femmes de tes oncles, les papas de tes femmes et de vos épouses. Là. Tout le monde a été nommé. Il n'y a pas un qui a été laissé. Bala Samoura, tous ses amis, les amis de sa femme, tous ses oncles, tout le monde, il n'y a pas un qui n'a pas eu place. Allons, citons. Donc, je te le dis. Moi, je le dis depuis le départ. Si quelqu'un doit être jugé ici, là, qu'on juge tout le monde. C'est le fait que tu as vu l'armée, tu es un gendarme, tu n'es pas un militaire. J'ai dit ça aux gens, qu'un gendarme est un militaire. Un gendarme n'est pas un militaire. Un gendarme là, Idi Amin, tu ne connais pas l'armée. Tu as vu aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui là, ça crie beaucoup. Vous avez demandé à tout le monde d'entrer dans les camps. C'est-à-dire, vous voulez faire entrer tout le monde et prendre les gens un à un. Vous voulez éliminer les gens un à un. Vous voulez prendre tous les officiers. C'est-à-dire, vous avez vu aujourd'hui, c'est toi qui as pensé, Idi Amin, que le fait que tu as récupéré toutes les armes là, que tu pensais. Tu as muté tous les amis. Bala Samoura a muté tous les amis. Tous ceux qui ont travaillé avec le colonel et le général Baldé. Bala Samoura les a mutés tous à l'intérieur. Tous ceux qui étaient à la défense avec Namori. Le cercle. Tout le cercle restreint. Idi Amin a tout muté. Idi Amin dit aux Guinéens aujourd'hui qui te garde. Quelles sont les forces spéciales? Ceux qui sont autour de toi.
Si ce n'est pas tes petits, tes neveux encore, dis aux Guinéens que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Voilà mon papa ici. Si je mens, ça c'est les grands intellectuels. J'ai dit, tu n'es pas militaire, tu es gendarme. Normalement, c'est à cause de tout ça, là, depuis tant de l'ancien à la compté, tant de dadis. C'est dadis qui avait trouvé la solution. Wallah. Si j'étais à la place dadis, là, j'allais finir avec toi. Lui, t'a pris, t'a mis à la touche. Il t'a ramené à la gendarmerie. Tu étais devenu une petite personne. Dadis t'a montré ta place. Dadis avait montré chacun sa place. Chacun sa place. Toi, tu as été ramené à la gendarmerie, simple fonctionnaire. Général Diarra, c'était le patron des narcotrafiquants. Mais je le dis depuis les premiers jours. Je dis toi seulement, il y a toi, il y a Amara, il y a Bala Samoura. Commando Faga, je n'en parle même pas. Parce que lui, déjà, il voulait faire un coup d'État. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais si Didier Amin, tu ne feras même pas une seconde au pouvoir. Voilà aujourd'hui là. C'est parce que vous n'avez pas pu trouver de l'argent. Nous avons dit à ces militaires-là, nous avons dit à l'armée régulière, l'armée républicaine, l'armée respectée, vous avez refusé de nous écouter. Les astres-là ne vaut rien. Enlevez-les. Mettez un militaire qui est du corps, un militaire formé depuis le temps de l'ancien Lacomté. Parce que c'est l'ancien Lacomté qui a structuré, formé, éduqué notre armée. L'armée républicaine, c'est l'ancien Lacomté qui a fait que notre armée est respectée dans le monde. Depuis à son temps. Demandez aux Libériens, quand tu dis aux Libériens, je vous ai dit ça, quand tu dis aux Libériens, voilà un soldat guinéen, le Libérien se met comme ça au garde-boue. Demandez à tous les Libériens, tu dis voilà un soldat guinéen, il fait comme ça. Il dit ouais, respect. Il dit respect. Demandez aux Sierra Leone, c'est pas les généraux, c'est Koba Konaté qui ont mis fin à la. Qui ont ramené le président légitime en Sierra Leone, l'ancien Lacomté l'a envoyé. Ou bien c'est pas l'ancien Lacomté qui l'a envoyé. Hein? Donc je le dis aujourd'hui, je le dis demain. Toi, Idi Amin, ça dit je t'en veux tellement, je veux, ça dit toi, tu es tellement réuni, c'est toi qui as, tu voulais tellement finir avec Alpha Condé. Alpha Condé là, tu ne voulais. Ça dit si Doumbé a te laissé avec Alpha Condé, si Doumbé a laissé Alpha Condé dans tes mains là, si Doumbé a laissé seulement Alpha Condé dans tes mains là, mais c'était fini. Toi là, tu ne veux plus. Ça dit ce que tu veux là. Toi actuellement là, tu penses que vous pouvez faire 2 ans au pouvoir ou bien terminer l'année 2022 là. Parce que depuis que moi j'ai vu sur le site du département d'État qui a été clair que vous n'avez. La Guinée n'a qu'à tout faire, à s'arranger et faire tout. La junte doit organiser les élections en 2022. Là. Ils ont été clairs, hein, le département d'État. Et quand les Américains la parlent, après ça, là, ils vont commencer à mettre les bâtons dans vos pieds. Et là, c'est rapide, c'est rapide. C'est tellement rapide. Aujourd'hui, vous pensez que Paul Kagame est fort? Paul Kagame, c'est les Américains. Vous comprenez? Ce que je voudrais te dire, vous avez donné une mission à Charles Wright. Monsieur Charles Wright, je te donne le nom de 3 personnes. Garde à toi de les toucher. C'est moi-même qui te mets en garde. Celui-là, les Diallo, Dr Kassori, Sia Touré, si tu mets les ans là dans ton programme, dans ton projet, tu auras affaire à moi. Nous allons. Si tu mets les 3 là, tu mets les 3 là, je le répète encore, hein. Parce que nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Je te le dis et je le répète. Tu mets Sidia dans ton programme. Tu mets Selou dans ton programme. Tu mets Dr Kassé dans ton programme là. C'est ton nid là où nous allons opérer. Vous n'avez pas. Ça dit, vous voulez mettre le pays. Les astres la tiennent aujourd'hui. Les 3 la tiennent 100% de la politique guinéenne. Vos candidats là, tous vos candidats là. Ne peut pas faire 1%. Tous vos candidats là ne peut pas faire 1%. Aujourd'hui là, tellement que nous connaissons Kouyaté, si on reprend, on vote aujourd'hui, si on. Jaredo Khalifa, il faut le laisser, laisse-le s'il te plaît. Laissez-le s'il te plaît. Mon frère, il ne faut pas qu'il vous insulte s'il te plaît. Moi je le dis,
Je ne suis pas venu. À partir de ce charroit là, tu as affaire à moi. Parce que bandit n'ira. C'est un procureur. Ça dit, je n'ai jamais vu un procureur délinquant bandit. Tu pensais que quand tu parlais des médias, on allait avoir peur. Tu avais ta première communication, quand tu as été nommé là, tu es venu en fanfaron. Il fallait voir comment tu te lèves dans ton siège pour dire les réseaux sociaux. Moi, je le dis, c'est le vent qui est dans ton. Je ne sais pas comment le dire. Je ne veux pas insulter. C'est quelqu'un qui te connaît très bien, que quand tu veux parler là, de ne pas s'attendre à un français. Tu parles le français comme nous. Normalement, un procureur là, je t'ai tout le temps dit, Charles Wright, quand tu écoutes le procureur du Sénégal, tu écoutes le procureur du Mali, tu écoutes le Richard Adou, le procureur de la Côte d'Ivoire, tu as envie d'aller à l'école, reprendre les études. Quand tu écoutes ces procureurs là, nous avons vu ici, paix à son âme, notre papa Doura Chérif. Quand Doura Chérif parle là, tu as envie. Quand Doura Chérif parle là, tu as envie de donner ta vie à Doura Chérif. Nous avons vu Alphonse, comment ça s'appelle là? Le procureur d'Alpha Condé là, l'autre là, comment ça s'appelle? Le procureur là, j'ai oublié son nom. Quand les gens là parlent le français, tu as envie de reprendre les études. Tu dis, est-ce que nous n'avons pas photo qu'il fallait aller qui? Mais regarde comment toi tu jongles. Et puis, quand tu dis une phrase là, tu cherches la prochaine. Mais moi, je te le dis. Les trois personnes. Merci beaucoup. Merci, Khalil. Alphonse, merci. Je te le dis, nous voulons la paix dans notre pays. Vous avez plus des milliards. Vous savez très bien que nous allons récupérer cet argent. Aujourd'hui, là, Sheraton est devenu le siège. Du trafic dans notre pays. Ça, c'est votre travail. C'est votre travail. Ça, c'est votre travail. Tant pis pour vous. Mais toi, il y a une dame qui m'a dit à Kaloum. La dame a dit, elle a bientôt n'a ravi privé la Samba. Je suis assis. Maintenant, depuis que tu es devenu aujourd'hui, Sidi Souleymane Ndiaye aussi. Moi, Sidi Souleymane Ndiaye, je suis entré deux fois dans son bureau à Dixine là-bas. Anafotoukou Ifala. Excusez-moi. Anafotoukou Ifala. Tu dois donner ta vie. Parce qu'aujourd'hui là, Obiri Mbawa choix là-bas. Obawa, Rachid Ndiaye, merci. Tout ça là, vraiment merci pour le rappel. Ils sont en train de donner les noms. Les noms des gens. Quand il parle le français, là, tu dis, mais toi, d'abord, je n'ai pas de problème avec les nominations de Doumbouya, parce que ça m'intéresse. Doumbouya n'est pas président de la République. Il est chef de la junte, chef des gangs, chef des narcos. Chef des narcos, moi je le dis. Je dis à tous les Guinéens, regardez ceux qui sont aujourd'hui là-bas, là, à la junte. Regarde, donnez-moi le nom. Oh, le nom a été trouvé. C'est Fernandez. Mamadou Diallo, big respect à toi. C'est Fernandez, Maître Fernandez. Fernandez, tiens. Quand Fernandez parle là, il fait ses lunettes comme ça là. Tu peux passer toute ta vie à écouter Maître Fernandez. Il fait comme ça. Je faisais comme ça pour écouter Maître Fernandez, son français. Je n'écoutais que son français. Voilà un procureur. Mais pour le moment là, je me calme. Nabid, comment vas-tu? Toi et moi là, je te le dis, il y a trois personnes. C'est mon programme personnel. Si tu es un garçon, il y a Selouda Lengalo, Monsieur Sidi Touré, notre champion à nous, Docteur Kassori. Il n'a ravi sa nema. Nama vi sa maïra. N'entend pas les bêtes. Itan, la mission qu'on t'a donnée, j'ai dit ça aux Guinéens depuis longtemps. J'ai dit, ça c'est pour écarter les gens, pour présenter les candidats. C'est-à-dire, vous pensez qu'on s'amuse. Je vous ai dit que nous n'avons pas les mêmes informations. Tous les jours que Dieu fait, Kouéniba, c'est les messages qui sont remplis dans le téléphone. Par les officiels, ce qui est là-bas, les officiels. Elle va très bien, elle est ma maman. Les gens sont calmes. Ils nous écrivent, Dylan Dangifé, c'est ça, maintenant Tamila.
Mais je le dis, si tu es un garçon, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as la plus grande mission. Et la mission que tu détiens là, c'est pour brûler ce pays-là. La mission que toi, tu détiens là, c'est pour brûler ce pays-là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On dit ça se coupe. Mettez les cœurs. Oui, William Fernandez. Quand il... pour le moment-là, il faut aller apprendre. Vous vivez vos dernières minutes comme ça. Vous vivez vos derniers jours comme ça au pouvoir, au Béni. Parce que les militaires, là, ils ont dit, la semaine-là, 10 semaines, Nara. Parce que vous avez vu, non, Idi Amin est incapable de trouver la personne qui jure s'en prendre à Madi. On a nouvelle la mairie, vous êtes tous paniqués. Depuis avant-hier, là, c'est avant-hier, vous avez entendu cette nouvelle-là. Les gens là disent que on me dit semaine n'a pas mon pouvoir. Ils ont juré à Kabirin Fakama, Birin Rafaka. C'est pas à cause ça aujourd'hui. Ou gars, vous avez peur. Abala Gbefala, il a dit. Parce que pour Alia là, ce que vous avez fait, Alia, vous savez, Alia lui, il veut rétablir sa dignité, ce qu'il a fait là. Parce qu'Alia a été trahi. Alia, lui, il sait très bien, c'est un sous-sous, indigne de la basse-côte. Il a été clair. On n'humilie pas un chef. Ce qui coûte à Alia aujourd'hui, là, c'est parce qu'il a dit, comme c'est comme ça, là, je vais ramener le poste à Alpha Condé dans son fauteuil. Parce qu'il a été élu. En tout cas, ils ont voté pour Alpha Condé, même si c'est un, et voté Renabé. C'est voilà pourquoi vous le gardez. Et il a dit, Halinso, Minitonet. Alia, il a dit, quand je sors aujourd'hui, minito, première seconde, Mfinkari Boulama, dernière balle, Falfa Kondé Gugle, 16 mois. Demandez à Bala ce qu'il a dit à Bala. Demandez ce qu'il a dit au régisseur de Bala. Demandez, allez-y, vous lancez à la gendarmerie. Allez-y, demandez à la gendarmerie. Demandez ce qu'il a dit là-bas. Anahan Falamiani, demandez. Anahan Falamiani. Anahan Falamiani. Mais moi, je le dis et je le répète. Jusqu'à présent, là, Idi Amin, si tu es compétent, d'abord, tu es un faux gendarme, tu n'es pas... Tu sais, c'est ce que Dadis a dit. Dadis, j'ai le discours. Parce que ce sont vos épouses, selon les dernières informations. Voilà ce que vous faites aujourd'hui. Vos familles, là, vous qui dirigez les narcotrafiquants aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas... Vous ne dirigez pas ce pays-là. Hein. Le pays, c'est le laisser aller. En Guinée aujourd'hui, la Guinée n'est dirigée par personne. Voilà des gens qui ont des armes. Et mon papa, le champion des champions, honorable Souma, a été clair. Finkari n'a rien dit là. Teni n'a rien dit là. Moutana, Asala, la Guinée, Kobe. Obéissement. Hein? Non, mon papa, il faut le laisser. Laisse-le. Hein? Finkari n'a rien dit. Teni. Aujourd'hui, Idi Amin, tu es un con parce que vous ne trouvez pas le groupe des personnes qui ont décidé. Ils disent que Kabirin Fakama, Birin Fakama, mais 10 semaines, ou bien semaine n'a rien fait. Ils sont en train de s'organiser. Actuellement, ils sont en train de faire une grande coalition pour en finir avec vous. Ah, voilà, il y a 6 membres, voilà, on vient de confirmer. Maintenant, moi, je te dis. Idi Amin, parce que c'est toi qui veux le... Parce que même quand tu es revenu du Kibala, il paraîtrait un temps... Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai. Il paraîtrait quand tu es revenu du Kibala, tu as directement demandé de te laisser diriger le pays. Quand tu demandes... Non, mais toi, tu es ridicule. C'est-à-dire, quand les enfants ont pris le pouvoir là, ils ont pris Alpha Condé, tu n'as rien trouvé à dire, hein, c'est pour dire non, laissez-moi diriger le groupe. Et voilà ce que tu allais faire. Tu allais les éliminer un à un pour t'asseoir. Et nous, on allait t'éliminer. Moutan a éliminé ma. Moutan. C'est ce que tu avais prévu. Aujourd'hui, là, le projet de disqualifier les opposants, là, c'est toi. Mais il va falloir un qui. Le projet. Et l'on va y falloir un tout le monde. Quand vous voyez les gens insulter ici, là, ne vous fatiguez pas, ne les répondez pas. Voilà ce qui se passe. La famille de tous ceux qui sont à la gente comme ça, les narcos, là. Ils ont les jeunes frères, ils ont les tantes, ils ont des cousines. Ils ont reçu de l'argent pour aller sur les pages des gens, pour insulter les mamans, distraire les gens. C'est quelqu'un qui me l'a dit.
Il y a, vous savez, je vous dis, Amara et moi, là, nous venons du même coin. Il y a un petit qui m'a insulté. Il est de Daro. Daro, c'est notre sous-préfecture dans Masanta, en partant vers Bayero et le Libéria. Le petit là-bas, Vamara, lui aussi s'appelle Amara. Il venait souvent sur ma page, je l'ai bloqué. C'est par erreur, je l'ai bloqué. Mais quand j'ai lu, mon cousin m'a appelé. Là, il m'a dit, ah, oui, Amara, Amara, il n'est pas Nawunya. Amara. Daro Amara. Quand il a dit Daro Amara, moi, je lui ai dit, Vavali Dengue. Je suis ami avec son papa. Quand il a dit Vavali Dengue, moi, je n'ai rien dit. Je suis allé sur la part de son papa. J'ai fait le lien, je l'ai vu. Mais moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé son papa. Maintenant, quand j'ai appelé, il y a mon neveu qui dit, non, tu te fatigues aujourd'hui. Moi, à cour qu'on l'embaye, dans la cour là-bas, l'argent a été distribué à tout le monde. Si tu veux des recharges aujourd'hui, qu'on trouve des recharges pour que tu te connectes là, il faut dire non, les blogueurs doivent se connecter, tel. C'est parce que moi, je n'ai jamais accepté de donner mes heures de direct. Je ne donne pas. Voilà. Je ne donne pas. Donc, c'est comme ça que c'est pas. Donc, c'est pour vous dire, ne vous fatiguez pas. Concentrez-vous. Je vous le jure. Ce qui s'est passé comme ça, je ne voulais pas faire de direct sur ça. Parce que le capitaine là qui est avec nous chaque fois, parce qu'il communique avec nous, il a été clair, il dit Benito, ils ont abîmé à Kankoui. Tout le monde, les chefs de rang, chefs de garnison, tout d'aller. Hein? Vous avez vu, avec l'installation de Dansa, cela n'a rien donné. Pour le CNT, là, c'était pour berner l'Occident. Mais depuis que l'Union africaine a pris la décision, je vous ai dit que l'Union africaine a pris spécialement le dossier guinéen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de laminer. Quelqu'un qui est en train de laminer Doumbouya, il ne sait pas. Personne ne va vous dire le nom. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de laminer Doumbouya. Et si vous voyez aujourd'hui, voyez, ils signent la vidéo. Mettez les cœurs, ils ont signé la vidéo. Ils ont signé, je sais. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de laminer la junte. Si vous voyez aujourd'hui que Macron ne s'est pas trop aventuré, dans l'affaire de Doumbouya, il ne s'est pas aventuré, c'est parce qu'aujourd'hui, le Tchad, vous connaissez le lien entre le président, la vidéo a été signalée, je sais, mettez le cœur, mais vous ne mettez pas les étoiles, parce qu'on m'a dit que quand on met les étoiles, ça casse qu'un seul. Mettez aussi les étoiles, donnez-moi des étoiles. Chacun a donné 100 étoiles. Donnez, ça se coupe. Donnez 100 étoiles. Ils ont signalé. C'est comme ça. Moi, je vous ai dit ça. La vidéo a été signalée. Je sais. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. S'il vous plaît. Mettez pas les OK là. Mettez les étoiles. Je sais, il y a quelqu'un que je vais le bloquer. Voilà. Je vais bloquer la personne. Je pense que c'est lui qui signale la vidéo. Il est chargé de signaler. Comme jusque-là, je ne l'ai pas bloqué. Mais la vidéo, je laisse suivre la vidéo. La prochaine vidéo, dès qu'il vient, je le bloque. Merci Doussanali. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, merci. Mettez les cœurs. Après, ça va se stabiliser, après. C'est-à-dire, ils sont en train de signaler pour que les gens se découragent, ils ne suivent pas. Vous savez, ils font de sorte que quand c'est signalé comme ça s'entrecoupe là, les gens ne suivent plus. Donc, ils ont dit, merci pour les étoiles, merci. Merci Binta, ma tante chérie, non, tu es ma chérie, je ne sais pas. Bon, tu es ma tante d'abord. Merci Zabari. Donc, je le dis, aujourd'hui, le frère m'a dit, et non, Moubilinga sa Kankoui, Abilinga Siga, tout le monde. Oui, c'est lui-même, c'est l'homme Diaby là. Adjawa, merci Tokranen, merci beaucoup. C'est lui, attendez, voilà. C'est comme ça. Directement, Abilinga Siga Kankou, il y a un grand nano, il y a un Moubilinga Siga. Abilinga Siga. Non, boy, ne wush. Abilinga Siga. Il y a Benito. Alors, il m'a dit ça depuis le matin. Il dit, Benito, je vous demande une seule chose, s'il vous plaît. Et je vais le... Moi, j'ai promis à ce grand frère-là, de Cameroun, là-bas, à Cameroun, devant Cameroun, là-bas. Anna, on a changé, n'acceptez jamais qu'on vous achète.
N'acceptez jamais. Ils ont envoyé de l'argent à beaucoup de vos amis. Beaucoup de vos amis ont reçu de l'argent. Non, n'a pas grand, n'a pas yati. Qu'est-ce qu'on peut? N'a pas yati. Alors donc, au bas niveau, actuellement là, il n'y a que 6 personnes parmi vous qui tiennent à le meilleur au matomane. Quand les gens sont en soto, ils attendent après, ils regardent. C'est comme ça que ça se passe. Non, j'ai compris. Alors donc, ne lâchez pas. Ne lâchez pas aujourd'hui. Ne lâchez pas demain. On va continuer. Non, ok. Alors, il faut... D'accord. Ah, là. Oui. Non, l'information limitée. Non, je ne dis pas son information. Je ne dis pas. Je me limite. Ce qu'il m'a dit là, je me limite là. Je me limite. Oui, j'ai compris. Donc, moi, nous allons faire ce qu'il a demandé. Je voulais juste dire ce qu'il a dit là. Nous le ferons. Voilà. De ne jamais accepter d'être acheté. Il faut dire à ton frère Damaro. Il faut dire à Matou. Il faut dire à Mamoudou. Il faut leur dire à Pitaka. N'acceptez jamais de l'argent. N'acceptez jamais de l'argent. Parce que je vous le jure. Khaïfeignon. Khaïo Moufinerora. Même si les gens ne vous félicitent pas. Mais Allah Ta'akolo, vous avez aidé ce pays-là. Ma grand, j'ai compris. Alors, en bas d'Ameni. 10 semaines, nous sommes en forme. Il y a Thomas. Je me limite là. Donc, je vous le dis encore une fois. Charles Wright, c'est toi mon problème. Misson Ahan Naïra. Ils sont en train... Parce que ce qu'ils veulent dire là, toi, tu es un procureur. Vous savez, ils oublient d'abord qu'ils ne sont pas légitimes. La communauté internationale ne reconnaît pas une justice. Vous savez, dès qu'il y a eu le coup d'État, la Guinée et le Mali ont été exclus du système judiciaire de la CEDEAO. Totalement exclus. Vous ne pouvez pas porter plainte quelque part contre qui. Même quand je voyais, paix à son âme, le gars de Interpol qui dit qu'il va envoyer un mandat d'arrêt aux États-Unis, ça me fait trop rire. Trop rire même. Trop rire. Il y a un mandat d'arrêt. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qui va reconnaître un procureur. Parce que lui, il pense qu'il est reconnu. Parce que Mara Falaobé, on a mis poum poum poum. Ou directement. La malchance que vous avez eue, c'est que vous avez mis toute la Guinée en colère. Toute la Guinée en colère. Birim Boye Sender et Oma. Donc, au milieu, je ne vois pas un qui aura pitié de vous. Il n'y a pas un, thank you, Sidiki. Il n'y a pas un qui aura pitié de vous. N'a pas eu Mais n'a pas fait Charles Wright, n'a pas fait qui. N'a pas fait qui. Et au détail, il y en a un à un. Vous savez, vous avez commis beaucoup d'erreurs sans vous rendre compte. Vous êtes perdu. Maintenant, comment trouver la solution? C'est à toi qu'on a chargé de mentir. Ismaël Duba a été arrêté, Thibault était malade. Vous avez cité tous les casques du RPG qui étaient liés. Nabaya Gate, parce que Nabaya n'a pas à Conakry, vous savez. Ismaël est chez lui, hein? Tranquille chez lui. On est bien si terrain, mais oui, comment est-ce que ils peuvent arrêter? Parce qu'il y en a un fois, c'est l'aura fait. Mais il y en a béni tout ce que vous faites là, c'est pas normal, ce n'est pas correct. Comment est-ce qu'on a fait sortir, et puis c'est votre parent, oncle Damaro, on l'a fait sortir, personne ne vous avait vu crier. Maintenant, comme c'est celou, on vous a acheté, vous êtes dévendus. J'ai dit, c'est très bien. Moi, je ne coûte pas cher. Moi, là, je ne vaux même pas $1. Parce que moi, ma valeur, là, c'est l'intégrité. C'est la confiance. Et il ne faut pas être un traître et un escroc. Quand tu as les valeurs, là, tu es mon ami. Comment vas-tu, ma chérie? Tu as acheté Benito. Quand on a un comportement, tu as acheté Benito. Tu n'es pas un escroc. Tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas un vendu. Voilà, tu achètes Benito. Moi, tu me prends doucement. Cadeau. Je te suis. Comme ça. Donc, je ne coûte pas cher. Je ne coûte pas cher. Hein. Voilà quelqu'un qui perdait son talent. On veut payer 100. Moi,
aux États-Unis ici là, je me débrouille, je n'ai rien, mais en tout cas, j'ai fait ma vie. Donc, Charles Wright, il faut arrêter de mentir. Toi, mes petits procureurs, moi, je m'en prends à toi. C'est toi le procureur. C'est toi qui as parlé de réseaux sociaux. Tu as vu? Toi, tu peux payer le milliardaire, le propriétaire de Facebook. Toi, vous pouvez payer combien pour dire aux gens voilà ici une branche de Facebook qui n'est pas loin de moi ici. Moi, je me déplace pour aller là-bas. Si j'ai un problème. C'est tout. Et puis, ils sont justes et ils sont honnêtes. Nous n'allons jamais nous en prendre ton compte, mais nous allons vérifier. C'est ça. Vous avez vu, après les vidéos, ça continue, puis ça va, ça marche. Donc, je le dis, toi, tu as le gros problème de la situation. Mais moi, vous savez, pour installer un président, il faut qu'il soit aimé par les Guinéens. Qu'est-ce que tu vois comme ça, là, toute la Guinée, aujourd'hui, là, tu donnes Kouyaté à la Guinée aujourd'hui là. Charles Wright est dit malokéré. L'okéré, c'est à Kabala, un seul jour est dit malokéré. Parce que on nous a amené à Kolonké, la maman de Siaka et la maman de Doumbia appellent la même personne papa. Vous ne voulez pas. La vie privée, fafez-moi. Un à un. Deux à Kolon. Mais aujourd'hui là, la marchandise que vous êtes, c'est-à-dire. Je remercie le Tout-Puissant Allah. Nahana Bay Alpha Kondraiki. Nana Mouta Malik Moubala Birinkolo. Ça right. Ce qui est arrivé au Prophète Fakonde a aidé toute la Guinée. Parce que nous avons compris qui est qui dans ce pays. Qui est malhonnête. Qui n'est pas malhonnête. Même les personnes qu'on disait avant malhonnêtes là, nous avons compris que ces personnes-là ne sont pas malhonnêtes. Ils ont été accusés à tort. Les vrais malhonnêtes là sont connus aujourd'hui. Birinkolo. Tout le monde connaît les vrais malhonnêtes. Tu as compris? Mais toi, gare à toi, je le dis et je le répète, il y a trois personnes. Ideraneli, Docteur Kassori, Sidia Touré, Seroula Ndiallo. Tu as compris? Donc je le dis haut et fort. Oui, tu sais que je n'ai pas ça par moi. Oui, c'est vrai. Je ne trouve pas ça par moi, oui. Mais que Dieu te donne ça. Moi, je prie toujours pour les gens. Comme toi, tu as les 3 000 $ par mois là. Que Dieu t'aide, mon frère. Voilà. Que Dieu t'aide, mon frère. Paulette, tanti Paulette, ma chérie Paulette, parce que ton nanama. Comment vas-tu, Paulette? Et la maman, la sœur. J'espère que tout le monde va bien. Ton frère, il va bien. J'espère. Voilà. Donc, je le dis. Parce que c'est les trois-là qui font la Guinée aujourd'hui. C'est les trois-là qui détiennent aujourd'hui. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Je ne voulais pas faire de live aujourd'hui. Je ne voulais pas faire le live aujourd'hui. Parce que j'ai dit à toute la Guinée, le 5 Barali. Et permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Je ne voulais plus répondre à quelqu'un parce que mes grands me l'ont interdit. Mais ce que je voulais te dire, Karamba Diaby, moi je dis, dans notre famille, là, nous avons épousé 2 femmes qui sont Diaby. Allô, ma chérie. Oui. Oui. Allô? Allô? Oui. Ah, vas-y. Siga, Afala, vas-y. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir. Bon, mon chéri Coco, je vous salue. Merci beaucoup. Votre débat me va droit au cœur. Le groupe qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, c'est un gang. Ouais. C'est un gang groupe, un groupe traite. Merci. Idi Amin, quand ils ont fait le coup d'État à passer, oui. Là où Mamadi a dribblé, ils ont proposé
Traoré, la Namori Traoré, général Namori Traoré, ils ont proposé Idi Amin. Oui. Mamadi s'est interposé. Vous avez compris? Oui. Alors, on dit non, non, on ne peut pas faire coup d'État et vous venez comme ça. Mm-hmm. En tant que BASP, celui qui s'occupait. Oui. Celui qui s'occupait sur la sécurité présidentielle. Président. Oui. Présidence. Oui. Comment lui, il peut libérer comment la force spéciale a passé à traverser là-bas à vous le commando Fanny. Oui. Je vous ai dit, c'est la deuxième fois, c'était deux coups d'État. Oui. C'est clair. Le premier était prêt pour éliminer le professeur Alpha Condé, le groupe de Aboulé Commando Fale était venu pour ça. Wow. Éliminer Kassouri, éliminer Amadou Diamalou Kamara. Oui. C'était leur. Ça, les soldats là, ça allait venir après. Après, oui. Sidia, oui. Après. Oui. Maintenant, ils ont bagarré là-bas. Ils ont échoué parce qu'eux, ils sont venus à la dernière position en disant qu'ils sont venus à Nek. Oui. Commandant Ali a passé le téléphone à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a dit non, non, non. Tout est rentré en ordre. En ordre, oui. Maintenant, ils n'ont pas arrêté. Tu viens dire quelqu'un que tu viens l'aider. Pourquoi maintenant tu tires? Ils ont commencé à tirer. Ali aussi est sorti. Ce qui s'est passé là-bas, c'est Dieu qui le connaît. Ouais. Maintenant, le groupe de Idi Amin Kamara qui a tiré sur l'aide de camp du président Alpha Condé. Ouais, c'est le groupe de Idi Amin Kamara. Oui, effectivement, c'est lui. Il a mis deux personnes qui tirent très bien sans que Ali ne le sache pas. Ça, c'était parmi le groupe de choses qui force spéciale pour aider. Ouais. Comme ils sont venus en groupe, mais eux ils ont fait le jeu de Idi Amin, le jeu de Lansana Kouyaté. Oui. Écoutez, écoutez. Écoutez très bien. Voilà. Je vous donne l'information comme ça. Ils ont refusé de faire sortir la vidéo. La vidéo de coup d'État existe. Il y a la caméra dans Serroutouria. À Serroutouria, oui. Ils ont démonté, mais on a tout. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Maintenant, le type là a tiré sur le feu Moriba Kamara. Moriba Kamara, notre frère là. Notre frère, l'aide de camp du président, oui. L'aide de camp du président, oui. Le premier tombé sous le coup d'État, c'était un Alpha Ouman Sou. Oui. De force spéciale. Oui. Donc, Mamadi aussi n'a pas accepté. Quatrième jour de leur réunion exceptionnelle, ils n'ont pas accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut que Lansana Kouyaté donne l'idée à ce qu'on éloigne les 10 personnes de choses aux forces spéciales qui sont venues à la vitesse. Les Ali, là, leur maître, accuser les enfants là à cause de 12 500. Dollars. Dollars, 250 ouais. millions de francs guinéens. Ouais. Pendant que l'armement 40 millions de dollars que le professeur Alpha Condé a acheté pour sa protection et la police et l'armée, c'est Mamadi même qui a pris ça avec Scartapus. Voilà, Samoura, eux tous sont dans ça, ils ont vendu ça. Ouais. Ça, c'est eux. Maintenant, deuxièmement, le coffre-fort, c'est lui qui a donné. Quand ils ont appelé Mamadi pour le coffre-fort, il a dit, n'ouvrez pas, attendez-moi. Un instant encore, il a rappelé, Scartapis est là, il dit oui, maintenant ouvrez, j'arrive. Oui, c'est comme ça s'est passé. Et là où nous sommes maintenant, là, oui. Le génie passé là, moi je partais en mission, mais je leur suivais, je leur regardais dans le palais, en direct, ils étaient en réunion, j'ai fait signe à Mamadi, que ce n'est pas quelqu'un qui me dit ce qui se passe là-bas, c'est moi-même qui le regarde en direct. J'ai écrit ça. Je vais poster ça sous votre vidéo après votre émission. Oui. Donc, ils ont compris que je leur suis. Maintenant, qu'est-ce que Idi Amin et Lansana Kouyaté ont fait? Ils ont fait venir des gens à l'heure là, je vous informe, ils ont des gens à l'heure là dans une cour fermée qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas les Ivoiriens seulement pour prendre Mamadi Doumbouya.
Le génie, qu'est-ce que, pourquoi ça, ils n'ont pas fait? Parce que Abdoulaye Komando Faray a discuté avec Idi Amin, que Idi Amin est un gendarme, il n'est pas éligible. Oui. Il ne doit pas prendre la tête. Oui, c'est un gendarme. Donc c'est ça. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Si Idi Koulibaly, Abdoulaye Komando Faray, Amara, et chose, comment dirais-je, Idi Amin, Bala Samoura, ils sont pour ça là. Mais leur divorce, leur discussion, c'est ça. Tout leur mouvement, pendant la nuit, moi je le regarde en direct. Et ils ont des petits téléphones que vous ne pouvez même pas donner la considération. Leur conversation passe dans ça. Oui. C'est pour éliminer Mamadi et prendre le pouvoir, conduire les élections pour mettre Lansana Kouyaté à la tête. Écoutez, hein. Voilà. Pour mettre Lansana Kouyaté à la tête. Et tout le monde sait pourquoi Lansana Kouyaté a été en désaccord avec le professeur Alpha Condé. Oui. Du côté de Kadhafi, Kadhafi. On sait. Oui. L'argent que ce président Ahmed Sékou Touré paie à son âme a mis en Suisse pour notre souveraineté, c'est Lansana Kouyaté qui est allé toucher. Il a transféré ça à la banque Paribas. C'est lui qui a fait. Oui. C'est lui qui a fait, Lansana Kouyaté. À l'heure là, il a fait rentrer 70 hommes, ils sont en Guinée, pour attraper Mamadi Doumbouya. Ça allait passer le jeudi. Maintenant, le défi que Abdoulaye Komando Faray a, comment relever ce défi? On a écouté Abdoulaye Komando Faray, leur conversation avec le président tchadien. Qu'est-ce qu'il a posé? Voilà, c'est ce que je voulais dire dans le Tchad. Ouais. Comment ça, ça vous a arrivé? Oui. Parce que Abdoulaye Komando Faray sort d'une fraîche école. Oui. Il a rempli tous ses gestions. Oui. Comment ça, ça vous est arrivé? Franchement. Le président tchadien n'arrive pas à comprendre. Et tous les alliés là, tous les forces spéciales là, Mamadi Doumbouya a pris tout ça là dans les mains de Abdoulaye Komando Faray. Parce que en formant la force spéciale, il faut prendre les hommes clés dans l'armée et vous le mettez dans le groupe force spéciale. Oui. Les commandos chinois, ils étaient à Samoria. Samoria. Ils ont été récupérés tous dans les mains de Abdoulaye Komando Faray. Oui. Comment Abdoulaye Komando Faray, lui, peut se retrouver dans l'échec? Parce qu'ils ont tous trahi le professeur Alpha Condé. Oui. C'est pour cela. Oui. Maintenant, la fin du film, ce que nous, on attend, on regarde. C'est ça. On regarde. Merci beaucoup. Je suis 24 heures sur 24 heures. On est ensemble. Leur mouvement. Ouais. Je suis 24 heures sur 24 heures. Ouais. Leur mouvement dans les rues, dans les téléphones, on écoute tout. On écoute tout. Et puis il faut jamais. Finalement, je vais commencer. Ah, yeah, il faut pas dire le nom des coordinateurs de vos actions. Hein. Ne donnez pas les noms dans l'armée. Faut pas donner. Je ça. Vous ai dit. Ouais, c'est ça. Quand je parle aujourd'hui, je suis devenu quelque chose aussi. Aujourd'hui, c'est grâce aux Américains. Oui. C'est ça. Donc, moi, je le regarde en direct. Oui. Tout ce qu'ils font là-bas, même tout le plat que Mamadi a mangé aujourd'hui, je connais tout. Je connais tout. En tout cas, on veut l'éliminer. Donc, ils n'ont qu'à faire attention. Ils veulent l'éliminer. Si Idi Amin, oui. Idi Amin, il sort là-bas, lui-même, il sera écrasé. Oui, lui. Ils vont l'écraser. Les gens ont dit, les militaires ont dit. Ces hommes-là, ouais. Ils vont leur écraser. Maintenant, ils sont dans une cour. Oui. Ils sont dans une cour. Ils sont enfermés dans une cour, pas dans un hôtel. Hein. Ils sont logés dans une cour. Ils ont pris deux femmes qui préparent pour le groupe-là. Ouais. C'est Idi Amin et Lansana Kouyaté. Voilà leur plan pour éliminer Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. Merci. Pour éliminer Mamadi Doumbouya. Ouais. Voilà leur plan. Merci voilà beaucoup. Voilà leur plan. Ils ont changé. Il y a quatre personnes qui ont changé parmi eux aujourd'hui dans la journée. Leur piste. Maintenant, leur nouveau piste aussi est repérée. Est repérée. Donc, attendons, nous suivons. D'accord. Mais si Idi Amin dérange et déraille un peu, on va expliquer ça son absence. Merci beaucoup. Abdoulaye Komando Faray, il est déjà. Non, c'est fini. Il doit se retirer. Lui, ça se retire. Vraiment.
Merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser. Merci, merci, merci ma chérie. Merci beaucoup. Okay. Voilà. Donc, vous l'avez écouté. Hein? Voilà, si je mens, hein, vous avez écouté. Tout ce qui se fait actuellement là, c'est comme s'il y a les lobbies français. Les lobbies français sont en train... Pas le président français, les lobbies. Tu as le Kouyaté, je vous ai dit ça une fois. Moi, je vous ai dit ça une fois, depuis avant même que l'ancien Kouyaté ne rentre. J'ai dit, vous êtes en train de sauter. Ce que Kouyaté est en train de faire en France, là, lui, c'est pour finir avec tout le monde. Voilà, il est en train d'exécuter son plan. Et là, là, moi, je leur dis qu'ils vont rater les plans. Donc, je le dis aujourd'hui, clair et net, moi, là, je suis dans le club des Guinéens. Si tu es dans un parti politique, tu n'es plus avec Benito. Nous avons tous un parti politique. Mais je n'accepterai jamais qu'on exclue quelqu'un. Moi, je vous ai toujours dit, il n'y aura pas d'exclusion. Personne ne sera exclu. Prenez tout votre temps, signalez ma vidéo, balancez à la présidence, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de président dans ce pays. Il n'y a que des bandits, des narcotrafiquants qui dirigent ce pays aujourd'hui. Et moi, je le dis et je le répète. Et pour ça, je vous dis, portez, parce que je le sais. Je voudrais vous dire avant de terminer. Il y a un aujourd'hui qui est en train de malmener les gens. C'est le président tchadien. Le jeune président tchadien que vous voyez comme ça là. Il passe inaperçu. Aujourd'hui là, il tient le pays dans sa main. Parce que lui, ce qui est arrivé à Alpha Condé, il veut connaître les détails. Le petit que vous voyez comme ça là, il veut savoir les détails de ce qui est arrivé à Alpha Condé. Qui est dedans, qui a organisé et comment ça s'est passé. C'est à cause de ça là aujourd'hui. Tous ceux qui ont trahi Alpha Condé, je l'ai dit maintes fois, Altena Bolaro dans toute votre vie, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. Parce qu'Alpha là, il n'a rien fait. Il était là. Il a quitté le lit, il a sauté les pattes dans le bunker. Il revient. C'est là-bas, à son retour là, il entre dans sa chambre. Et voilà, on brûle, on entre sur lui. Et voilà, on l'abîme par force. Même Kéraoula a été barreau. Le président tchadien là, si vous voyez que Macron n'est pas dedans, c'est à cause de tout ça là. Parce que le PT a été clair, il n'est pas du tout d'accord. Si vous voulez que je respecte tout dans le Sahel, je fais tout dans le Sahel. L'ami de mon papa, parce que vous savez très bien que si le président tchadien, Idriss Déby, était vivant aujourd'hui, si Idriss Déby était vivant aujourd'hui là, je ne pense pas si Kouyaté allait faire 2 mois au pouvoir. Il allait tout faire pour créer des problèmes à Doumbouya. Il allait faire tout. Il a les moyens. Il a les relations, il a les moyens. Dès les premières heures du coup d'État, vous avez vu ce que Paul Kagame a dit. Il ne veut pas avoir un représentant guinéen au niveau de l'Union africaine. Le 6 et le 7, ils ont tous quitté. Kagame a été clair. Il ne veut pas voir un représentant. L'OIF aussi, c'est une Rwandaise. Ils ont chassé tout le monde. Il n'y a plus de Guinéen qui travaille là-bas. Dans les cercles restreints. Je ne parle pas des cadres subalternes, non. Ils ont tout fermé. Ils ne veulent même pas les voir. C'est clair. Maintenant, vous voulez qu'on soutienne quelqu'un comme ça. Notre pays va s'en sortir comment? Le pays est exclu de tout. On est exclu de tout. Nous allons vivre comme ça pendant 4 ans avec des bandits. 4 ans, c'est bon. 4 ans, c'est bon parce que vous recevez des faux biens. Les planches à bière, ils fabriquent les dés à Abu Dhabi, on vous envoie les narcotrafiquants. Vous voulez que la Guinée soit une plaque? Oui, la Guinée est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. C'est ça aujourd'hui. Mais, merci, portez-vous très bien. Coquelène Doumanien, je remercie le Tout-Puissant Allah. C'est parce que moi, Benito, je crois en Dieu et je sais que tous ceux qui ont trahi le prophète Alpha Condé, vous êtes en train de vivre votre dernier temps dans la fonction publique. Vous êtes en train de vivre vos derniers temps dans les activités en Guinée. Vous serez dans ce pays-là comme des simples personnes qui se promènent comme ça-là. Ou bien vous partez à l'étranger, vous fuyez. Mais avant de fuir, là, nous allons vous récupérer un à un. Charles Wright, je te confie 3 personnes. Sidya Touré, Kassori, Seloua Lenyalo, gare à toi. Gare à toi de lever le doigt, un doigt sur les ans-là. Gare à toi de lever le doigt sur les 3-là. Je vais te montrer. N'ira fait Falaman, ira vie privée. Jusque là, je m'abstiens de dire ta vie privée. Ira fait des Kanakinaki, tout ce que tu as fait dans les bêtises avec les filles de Kalom et autres là. Tout est bien en Banga Mameti. J'attends. Je vais mettre. Yakolo, j'ai plus de 4 comptes. Il y a un compte là qui a part. Nasa m'a mené. Les gens vont partager. Narenma Mirendé Nama. Et partager à inbox.
Mais je connais beaucoup de personnes, nous sommes très amis. Ils vont voir ta vie privée. Peut-être alumana qui ne m'a pas balancé un téléphone cuit. Il en a tout, il ramasse ma gourmane, il ramasse. Mission dans un taouïa, la mission que tu détiens là, détruire. Tu veux détruire. T'as vu? Il n'a rien calculé cuit. Tu es dans tes calculs, les autres sont en train de faire les calculs à part. Il n'y a pas de calcul couille. D'autres, nous avons demandé, et bien aujourd'hui, même le frère de l'IF2L, le grand communicant, il a été clair. Alpha Condé qui connaît le groupe là, il n'a qu'à venir organiser l'élection et partir. C'est ça. Mais Nimissé, j'ai dit à un ami, j'ai dit, Benito, tu as fait un direct hier là, vraiment, je me suis senti dedans. Nankil Elema, il est à Cancan, en New York ici, Nankil Elema. J'ai vu ton poste. N'est-ce qu'à faux. Moi, je le répète encore une fois. Après tout, celui qui prend son téléphone là, il m'appelle là. C'est ta maman, je vais insulter. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Tu m'as écrit, non? C'est parce que tu m'as écrit. Mais si tu prends ton téléphone pour m'appeler, pour me raconter des sauvageries de Doumbia. Vous savez, tout le monde le sait, ce qui a fait mal à Alia. C'est le fait qu'ils ont envoyé la photo de Prosa Fakonde. Et demandé à tout le monde. C'est Alia qui a appelé la main. Il a dit, imbécile. C'est toi qui t'a autorisé? Qui t'a autorisé? C'est toi qui a balancé la photo là sur la toile? Il dit, c'est le colonel qui l'a autorisé. Et vous nous dites aujourd'hui, vous demandez aujourd'hui de soutenir ce dernier. C'est le problème qui est entre vous et nous là. Ça dit, vous demandez de soutenir quelqu'un. À qui même? C'est lui qui a pris Alpha Condé. On dit d'aller vous reposer au camp Koundara. Les gens là sont partis se reposer là-bas. Là. Comment on appelle le camp là? Le garde d'Alice là. Directement, on envoie la photo du professeur Fakonde, la petite vidéo là, dans le téléphone du commandant Alia. Mais il était dépassé. Et directement, il a appelé Doumbouya. Il dit, Lama me dit que c'est toi qui l'as autorisé à filmer Fakonde dans la voiture. Je vous ai dit que l'image là ne vous dit rien. Cette image, je me demande qui peut oublier l'image là. Non, Fakonde est assis dans la voiture comme un passager. Des voitures qu'il a achetées, des 4x4 qu'il a achetées lui-même. Et vous avez oublié les images là. Vous nous demandez d'oublier ça. Noé Otoué, on va s'entraider. Regardez-moi des gens comme ça. Non, et allons, Doumbouya avait. D'abord, vous êtes des malhonnêtes. Malhonnêtes, l'a dit. Alors qu'à Moufo au départ, alors le coup, à l'allure là, Doumbouya avait donné le pouvoir à Sélou. C'est pas ce qu'il vous avait dit. Nous, au sein du RPG, c'est Mambaye, avec Olefo. Quand Doumbouya avait donné le pouvoir à Sozo, donné le pouvoir à Sélou. Allez les mots fort. Maman, comment vas-tu, maman? Camille bourgeoise, maman. Comment vas-tu, Natoma? Comment, maman chérie? Comment vas-tu? Et aujourd'hui, quand vous vous levez, non, vous ne devez pas. Moi, je le dis, c'est lui et moi, là, nous n'avons pas la même vision politique. En politique, là, on n'a pas la même vision. Mais aujourd'hui, là, lui et moi, nous avons un ennemi commun. Voilà. Et c'est lui qui m'intéresse, ce n'est pas celui. C'est lui et moi, là, on doit faire une coalition pour abattre, pour faire partir. Non, frère Djabi, c'est comme ça. C'est ça, mélanger là. Mais aujourd'hui, et puis Ismaël Dubaté, les juges ont pris le procès à Fakonde. Il y a un montant qui est resté avec toi. Allez, tu connais, n'a fait tout, juste reste. Moi, c'est une dent. Vous savez, quand vous cherchez des petites communes dans vos services là, vous oubliez les conséquences. Quand vous sauvez les filles dans vos services là, les petites dames là, moi là, c'est comme ça, ne les cafouillent. On dit que le jour le procès Alpha Condé, je viendrai avec le dossier là, on dit le jour Alpha Condé a été pris là, tu es resté avec un montant. Si le montant a été la caution ou bien l'arrangement pour ne pas que tu aies en prison là, Ismaël là, retiens-le. Jusque là, nous sommes comme ça, c'est Alpha Condé le président. Ah, Yoto, c'est lui le président. Et je sais très bien, tu sais très bien aujourd'hui que le président tchadien là, il a mis sa main sur le Coran. Ce qui est arrivé à Alpha Condé là, il saura le détail. Ça, c'est que la dame vient de dire ça. Il a appelé le commando Faré.
Lui et Commando Fangala, ils ont été formés dans le même service, dans la même unité. Il connaît bien Commando Fangala. C'est à cause ça qu'il lui a demandé, comment toi, un bon soldat, sorti des bonnes écoles, avec tout ton niveau académique là, comment toi, tu es resté le pays là, parce que dans les mains d'un illettré? Explique-moi, comment? C'est le débit fils là. Comment? Il s'est adressé uniquement à lui, à Commando Farai. Demandez-le. Comment? Parce que lui, il a juré, il a dit au président Macron, je veux savoir, je dois savoir comment ça s'est passé. Parce que c'est trop facile. Mbao le Fonko, Alpha Condé a été vendu moins cher là. Des gens du Nord, et quand on va faire Maninkalma, qui a vendu Alpha Condé? Parce que ce que vous ne savez pas, Doumbia n'a qu'à avoir toutes les armes du monde. Si Namor disait que tu ne vas pas quitter Kaloum, mais dites-moi comment Doumbia allait s'en sortir. Ou bien vous ne connaissez pas la géographie de Conakry. Regardez la circoncision, regardez Kaloum par rapport à la sortie, jusqu'à Alpha Condé a été envoyé à Bambeto, humilié. Si Namur disait, ok, tu es à Kaloum là-bas, c'est petit à petit, on allait faire sortir la population. Mais s'il vous plaît, dans l'armée guinéenne, il y a des gens qui ont été à l'étranger, qui ont été envoyés par les gens, l'ancien compte, par Alpha Condé pour des formations. Ils connaissent comment prendre une ville. Il y a des bons soldats dans l'armée. Il y a le bataillon autonome de troupes aéroportées. C'est l'armée d'élite. C'est à cause que les gens ont dit que c'est le bataillon qui a laissé faire. Mais qui est le patron du bataillon? C'est pas Commando Farai. Ce n'est pas Commando Farai. Ibovo Odigba est là. Et c'est la vérité. Vous avez vendu le monsieur moins cher. Vous l'avez vendu moins cher au Bafo Aïdi Monin. Parce qu'il y a craignagnement. Je vous le dis. Et puis, bah, tout est, reste comme ça. C'est le seul pays où le chef d'état-major général de l'armée croise les bras comme ça, un individu vient par le pouvoir. C'est le seul pays. Hein? C'est le seul pays. Même Robert Guéï, paix à son âme, c'est un ancien patron de l'armée. Quand les enfants ont pris le pouvoir, ils sont partis le chercher jusqu'au village. Chez lui, Kabakouma, dans son village, ils sont allés le prendre, envoyer. L'ancien patron de l'armée de tout temps, de temps de Ofoï Boigny, tout ça, ils sont partis le chercher. Voilà aujourd'hui le général Cissé au Sénégal. Il a été envoyé par Tosa pour gérer les troupes africaines. Il était chef d'état-major général de l'armée, dans la Blaye Watt. Ils sont nombreux comme ça. C'est seul notre pays aujourd'hui qui parle de Namori. Namori dans l'oubliette. Ils ont promis des passeports diplomatiques et autres là. L'argent, pff, ça sert à quoi? Ils sont à Conakry aujourd'hui. Où se trouve son compte bancaire? Tout est fermé. Les comptes sont gelés. Mais portez-vous bien. Aujourd'hui, mets tout le monde dans le camp. Celui qui l'a dit là, ceux qui ont dit là, nous n'allons pas donner leur nom. Hein. Ceux qui ont dit, vous avez dit tout récemment là que vous allez trouver, vous avez fait même le tableau est là, vous avez fait une liste des gens qui doivent recevoir le colonel combien de millions à la place de riz, 2 millions à la place de riz, capitaine 1,5 million à la place de riz, et jusque-là, vous n'avez pas honoré vos engagements. Oui. Tout récemment, vous avez voté un budget de 725 milliards pour le palais. Les enfants sont en train de voir ça. Moi, je demande à l'armée guinéenne, je les ai toujours dit, pourquoi vous êtes assis? Personne ne vous accuse, vous n'êtes pas responsable. Personne ne va dire qu'un militaire guinéen a pris le pouvoir. C'est à cause dans leur décret là. Parce qu'ils ne savent faire que les décrets. Dans leur décret, on dit, depuis la prise du pouvoir par l'armée, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et pourtant, j'aimerais demander à Aminata Diallo, pourquoi Doumbouya a dit dans son premier discours, je demande à l'armée de me rejoindre. Il a dit bien, je demande à l'armée de me rejoindre. Parce que ce n'est pas l'armée qui avait pris le pouvoir. Et vous venez chauffer les oreilles des gens par des décrets bidons. Vous prenez des jeunes délinquants qui n'ont leur diplôme sans vérifier. Ils ont quitté l'étranger. J'ai fait informatique. J'ai fait quoi. Là, c'est des gens qui vendent dans les boutiques en Europe. Hein? Voilà un ancien narcomarat, un narcotrafiquant, un bandit recherché par la DIA ici, là, aux États-Unis. Hein?
Il est recherché, c'est lui qui est devenu Pape Boss à Conakry aujourd'hui. C'est eux qui sont en train de mettre tous les plans de vente de la drogue en Guinée aujourd'hui. Lui et un autre qui était. Ils sont tous rentrés, tous les vendeurs de drogue de la route, sous région et en Europe. Ils sont rentrés. Hein? Regardez-moi des gens. Portez-vous très bien. Que Dieu vous protège. Partagez. Mettez dans tous les groupes. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Merci pour les étoiles. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Ne vous laissez pas berner. Voilà. Moi, je vous dis et je le répète. Vous allez acheter tout le monde, sauf Benito, moi là, parce que vous n'avez pas mon prix.